أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده C'est suite à la triste nouvelle que nous faisons ce live pour expliciter quelque chose. La première des choses, Allah Ta'ala dans le Coran, il nous dit « وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ » Allah Ta'ala dans le Coran, il nous dit « Il ne pense pas que ceux qui sont morts sur le sentier d'Allah, ceux qui ont perdu la vie sur le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont en vie. Ils sont proches de leur Seigneur, en train de profiter des bienfaits de ce dernier, d'Allah Ta'ala. » Il faut que l'on ait tous l'intime conviction, nous en tant que musulmans, il faut qu'on ait tous l'intime conviction que Rayyan, alhamdoulilah, il fait partie des martyrs. On demande à Allah Ta'ala de l'accepter parmi les martyrs de l'islam et de faire en sorte qu'il vive une vie bien meilleure que ce qu'il a pu souffrir. Bien meilleure qu'une vie qu'il aurait pu avoir s'il était resté avec nous sur terre. Peut-être que les blessures qu'il avait eues, peut-être qu'elle lui aurait fait des complications dans sa vie et que sa vie aurait été triste pour lui. Allah Ta'ala est sage et dans sa sagesse et dans sa justesse, il choisit ce qu'il fait et il choisit ce qu'il crée. Donc, alhamdoulillah, nous sommes tristes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a 7 catégories de personnes qui, lorsqu'elles meurent dans une mort quelconque qu'elles ont, elles sont considérées comme martyrs. Parmi celles-ci, celles qui meurent dans des éboulements, c'est-à-dire que des choses les écrasent et elles finissent par mourir de ceci. Et le petit jeune Rayyan, il est mort comme ceci. Donc, alhamdoulillah, dans la narration authentique et prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui meurt de cette mort-là, il est considéré comme martyr, walillah alhamd. Ensuite, il se peut que certains puissent se dire, mais pourquoi il est mort? On l'a invoqué pour lui, etc. Allah Ta'ala, il sait mieux que nous. Inna Allaha ya'lamu ma yakhluq. Allah, il sait mieux ce qu'il a créé que nous. Dans sa sagesse, Allah Ta'ala, il choisit des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah a créé des choses et il se peut qu'Allah fasse qu'un être humain il soit pauvre ou qu'un être humain il soit dans cette ou telle situation et parce que c'est un bien pour lui. Également, le Allah Ta'ala, il a fait en sorte que les prophètes avant nous souffrent des souffrances que l'on peut vivre nous afin de nous montrer que tout ce que nous pouvons vivre nous, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Le prophète alayhi salat wa salam, il a perdu son fils Ibrahim alors qu'il était un enfant. Et pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dans ses mains, il était malade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il espérait que son fils Ibrahim guérisse, tout comme nous, nous espérons que, nous espérions que Rayyan retrouve la vie et qu'il soit libéré de ce dans quoi il était, walillahi alhamd. Le prophète alayhi salatu wa sallam, celui qui lorsqu'il invoquait Allah, Allah lui exaucait. Même lui, Allah ne l'a pas épargné de la mort, n'a pas épargné de celle qui sépare les humains sur terre et celle qui détruit les plaisirs. Pourquoi? Pour nous montrer une leçon à nous tous, qu'alhamdoulillah, 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 nous sommes tous petits. Nous appartenons tous à Allah et c'est vers lui que se fera notre retour à nous tous. À nous tous, walillah alhamd. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était en train de perdre Ibrahim alors qu'il il agonisait, il a dit « Al-aynu tadmu » Le cœur, il est triste. Les yeux, ils pleurent de tristesse. Mais nous ne disons que ce qu'Allah, il agrée. Parce que nous sommes les serviteurs d'Allah Ta'ala le trio. Nous sommes les serviteurs d'Allah Ta'ala le trio. Par conséquent, nous ne disons, nous n'acceptons que quelqu'un puisse dire une parole de pourquoi c'est arrivé. Mais non, alhamdoulillah, Allah Ta'ala, il a choisi dans son décret de le rappeler à lui. Et nous l'avons dit dans la narration prophétique authentique, celui qui meurt de cette mort-là, il est martyr. Et le martyr est tellement heureux de sa mort que lorsqu'Allah l'accepte auprès de lui, Allah Ta'ala, il le fait appeler à lui, le martyr. Il l'invite devant lui et il lui dit, dis-moi une chose et je t'exauce. Tout ce que tu demandes, je t'exauce. Et là, il faut se dire que Rayyan, il est appelé par Allah Ta'ala. Peut-être qu'à ce moment-là, Allah est en train de lui poser cette question-là qu'on vient de dire. Et le martyr, il vit tellement quelque chose de grandiose et tellement beau, il dit « Oh Allah, fais-moi redescendre sur terre, que je puisse revivre et remourir dans ton sentier comme martyr, car la mort du martyr est tellement belle que j'aimerais la revivre une autre fois. » Et Allah a dit « J'ai donné le décret que toute personne qui est morte, elle ne reviendra pas sur terre, je ne peux honorer
ta demande. Donc, Alhamdulillah, Alhamdulillah, les louanges sont à Allah. On doit être apaisé, on doit être heureux. On a fait beaucoup de dua pour lui, pour sa famille. On a fait beaucoup de dua pour toutes ces choses. On doit continuer, Inch'Allah ta'ala, d'invoquer Allah pour sa famille. On doit les secourir si on peut, leur apporter un soutien, un secours. Et on doit profiter de cette occasion pour se rappeler ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Les musulmans sont comme un seul corps. Dès qu'un membre est malade, c'est tout le corps qui est malade. Donc, alhamdoulilah, on garde ceci à l'esprit. Allah ta'ala va l'accepter dans son paradis comme martyr, inshallah. On demande à Allah de l'accepter comme un martyr. Pourquoi? Parce qu'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, il y a des gens qui meurent d'une mort en étant musulmans. S'ils meurent de cette mort, alors Allah les accepte comme martyrs. Parmi ces gens-là, celui qui meurt dans une incendie et celui qui meurt dans un éboulement. Vous savez, il y a quelques années, pour ceux qui peuvent penser que ces choses-là sont injustes, il y a une grande grue qui est tombée à la Mecque et qui a tué des gens en dessous d'elle. Et beaucoup de gens disaient, oui, mais pourquoi ils sont morts, etc. Alhamdoulilah, ceux qui tombent sous quelque chose qui les a enseveli, il meurt la mort de martyr. Et on demande à Allah Ta'ala, on demande à Allah, le Seigneur des mondes, de l'accepter comme martyr. On demande à Allah de préparer pour Ryan les plus belles parures qu'il soit, les plus beaux endroits qu'il soit, qu'il afflige, qu'il apaise les douleurs qu'il a pu avoir. Nous l'avons tous entendu. Ryan, pendant plusieurs jours, il souffrait de plusieurs fractures. Il essayait de lutter tant bien que mal. Alhamdulillah. Allah l'a rappelé à lui, ceci est certes meilleur pour lui. Allah Ta'ala aussi nous parle dans Surat Al-Kahf de l'histoire d'Al-Khidr. Moussa alayhi salam, il était un peu comme nous. Parfois, il se posait des questions sur ce qu'Allah fait. Et Allah, il a envoyé un homme très sage, qui a énormément de science à Moussa. Et il lui a dit, Allah lui a dit, va le voir, il va t'apprendre des choses pour que tu comprennes le destin. Et là, Moussa, il a dit, ok, il est parti le voir. Et l'homme, il lui a dit, tu ne pourras pas patienter avec moi, il y a des choses que je vais faire que tu ne vas pas comprendre. Qu'est-ce qu'un homme lui a fait? Moussa, il lui a supplié, s'il te plaît, laisse-moi, je veux comprendre. Jusqu'au point où l'homme a fini par accepter Moussa. Moussa, ce n'est pas n'importe qui. C'est un prophète d'Allah qui était mentionné comme Al-Kalim, celui qui parlait beaucoup avec Allah Ta'ala. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe lorsque Moussa le suit? Cet homme, il voit un bateau. Et il voit des gens dans un bateau, c'était des gens très pauvres. Et il fait quoi? Cet homme, il perce la coque du bateau pour que le bateau commence à couler. Et avant que Moussa le suive, il a dit, d'accord, je te laisse me suivre, mais à une seule et unique condition, c'est que je vais faire des choses, tu ne me poses aucune question sur tout ce que je fais. Et là, lorsqu'il a creusé la coque et que le bateau a commencé à couler, Moussa s'est tourné vers cet homme. Il a dit, mais comment toi tu prétends être sage? Pourquoi tu as fait ceci? Alors, qu'est-ce que fait l'homme? Il lui dit, attention, je t'ai dit de ne pas me poser des questions sur ce que je fais. Là, Moussa lui dit, ah, je m'excuse. Ensuite, ils avancent, et ils trouvent un mur, ils rentrent dans une ville. Et ils arrivent dans un village et ils demandent aux gens du village, donnez-nous l'hospitalité, donnez-nous de quoi manger. Nous sommes des voyageurs, on n'a pas de quoi manger, on n'a rien du tout. Les gens du village les ont tous chassés, ils ont refusé de les nourrir. À ce moment-là, quand les gens du village les ont chassés, l'homme, au lieu de partir en étant en colère contre ces gens-là, il est parti dans le village, il a vu un mur et il a commencé à réparer ce mur, à le reconstruire. Il a dit, mais pourquoi tu fais ça? Ils nous ont chassés du village et toi tu leur fais du bien? Comment eux ils font du mal et tu leur fais du bien? Et là l'homme il a dit, attention. Je t'ai dit encore une fois de ne pas me poser de questions. Et là, subhanallah, il le dit, d'accord, excuse-moi, c'est la deuxième fois, à la troisième, on se sépare. Ils marchent encore et ils se font accueillir par des gens. C'était un homme et une femme pieux. L'homme, la mère était une femme pieuse, comme la mère d'Orayan, comme on l'a vu sur El Hijab, le père, la crainte d'Allah, la piété. Il ne parlait qu'en mentionnant Allah Ta'ala. Donc, ces hommes-là, cet homme et cette femme, on ne voyait au travers de leur comportement que la piété d'Allah Ta'ala. Ensuite, qu'est-ce que fait l'homme? Il part et il tue leur enfant. Petit, de bas âge, peut-être à l'âge d'Orayan. Et là, Moussa, c'était... Il est rentré dans une colère. Comment tu peux faire ceci? Comment tu peux tuer leur enfant? Il lui dit, voilà, c'est le dernier avertissement que je t'ai donné. Et il lui dit, maintenant, entre toi et lui, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, entre toi et moi, il va y avoir une séparation, mais avant, je vais te prévenir de ce qui se passe. Voilà, concernant le bateau, il y avait des gens dans ce bateau qui était pauvre, et derrière eux, il y avait un roi qui était, entre guillemets, comme un pirate, qui prenait tous les petits bateaux et leur prenait leurs biens. J'ai décidé de les faire couler pour les faire ralentir et qu'ils ne passent pas dans le chemin du roi. Donc tu as vu un mal, Ya Moussa. Tu as vu le mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je savais, j'avais la science du bien. Il y avait quelque chose qui était bien mieux pour eux, et il était mieux pour eux qu'il arrive cette galère. Ensuite, il lui dit, concernant le mur que tu m'as vu reconstruire, ce mur-là dans ce village,
Il appartenait à des orphelins et il commençait à tomber. Il était dans la propriété de leur père qui est mort. Et sous ce mur-là, il y avait un trésor d'or. Et si jamais il tombait, les gens allaient voir le trésor, ils allaient le prendre à l'orphelin. Donc moi, même si le village m'a chassé, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai reconstruit pour préserver les orphelins. Et il dit, quant à l'enfant, c'était un enfant qui était désobéissant. Et c'était un couple qui, eux, étaient pieux. Et j'ai voulu, au travers de mon acte, au travers de mon œuvre, quoi faire? Leur faire en sorte qu'Allah leur remplace par un enfant qui est meilleur. Donc, alhamdoulillahi ala kulli hal. Alhamdoulillah, quelle que soit la situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ajaban li amri al-mu'min, idha asabatu darra'un shakar, sabar, wa idha asabahu khayrun shakar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, oh combien est belle la situation du croyant. Oh combien elle est très très belle. Pourquoi? Lorsqu'il voit un bien, qu'est-ce qu'il fait? Il remercie Allah. Quand il arrive quelque chose, alhamdoulillah. Tout comme nous, quand on a entendu que ça y est, ils allaient le libérer, qu'est-ce qu'on disait? Alhamdoulillah. Et lorsqu'il arrive un mal, il patiente. Et il sait que c'est la sagesse d'Allah Ta'ala, le Très-Haut. Tout ce qui se passe, lan yusibana illa ma kataba Allah lana. Rien ne nous atteindra si ce n'est ce qu'Allah nous a écrit. Allah, il l'a écrit dans sa sagesse. Et Allah, il l'a écrit dans sa miséricorde. Et Allah, il l'a écrit pour le bien de l'humanité. Alhamdoulillah. Cet enfant, nous avons la certitude. Allah nous apaise. Il sera avec les martyrs le jour dernier. Il sera avec les enfants qu'Ibrahim va prendre avec lui le jour dernier, inshallah ta'ala. Et il sera parmi ceux qui seront heureux. Peut-être qu'à l'instant où l'on parle, si le petit Rayan était triste, qu'est-ce qu'il se serait passé? Si le petit Rayan était encore en vie, il serait encore en train de souffrir. Peut-être qu'il aurait souffert toute sa vie. Mais alhamdoulillah, Allah a décidé, dans sa sagesse, dans sa clémence, dans sa bonté, dans sa douceur, dans le bien qu'il représente de manière absolue, de reprendre à lui cette créature qui lui appartient. Tout comme nous appartenons tous à Allah. Nous sommes sous la coupe d'Allah. Allah fait ce qu'il veut de nous. S'il veut, il nous punit. S'il veut, il nous pardonne. S'il veut, il nous fait mourir à l'instant. S'il veut, il nous châtie. S'il veut, il nous éprouve. Nous sommes les petites et infimes créatures du Très-Haut. Et nous acceptons le décret d'Allah. Quand on parle du destin, le destin, ça fait partie des six piliers de la foi. Alhamdoulillah, le fait de croire au destin, c'est de fait de croire en le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Bien que Allah Ta'ala ne choisit pas de mal pour nous, mais on peut le voir comme quelque chose de mauvais. Mais Allah Ta'ala a choisi. Donc, alhamdoulillah, on patiente et on dit ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'œil pleure, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui plaît à Allah Ta'ala. On ne dit que ce qui est plaît à Allah Ta'ala. On ne prononce pas de paroles, comme certains vont dire, pourquoi il est parti trop tôt, c'est injuste. On n'a pas le droit de dire que c'est injuste. Pourquoi? C'est qui a fait cette justice-là? C'est Allah Ta'ala. On n'a pas le droit de dire pourquoi il est parti trop tôt. Allah, il a décrété son heure. À partir du moment où tu nais, tu es prêt à mourir. Tu es techniquement capable de mourir. Tu n'as aucune, il n'y a pas de trop tôt, trop tard. Allah, il t'a donné aucun engagement de rester vivant X, Y années. D'accord? Donc, s'il vous plaît, walillah, alham, je ne veux pas entendre, je ne veux pas voir des gens qui disent, oh le pauvre, il est parti trop tôt. Alhamdoulillah, en tant que croyants, nous avons cette croyance en nous qui nous permet de nous apaiser et de nous rappeler ces choses. Aussi, que cette histoire soit un énorme rappel pour nous. Regardez-le, il était sous 30 mètres. Il était sous 30 mètres enseveli. Nous, chacun d'entre nous, on va finir dans une tombe et on sera enseveli par la terre. Farshit turab, la terre sera allongée sur nous. Personne ne se rappellera de nous. Personne, les gens vont pleurer une heure, deux heures. Puis ensuite, on entendra les pas de leurs. Les bruits de leurs passants d'aller d'à côté de nous. Puis petit à petit, nous allons tomber dans la solitude. Au début, ils commenceront à nous mentionner une fois de temps en temps, jusqu'à ce que la vie prend son cours. Combien parmi nous, on a des êtres chers qui sont morts à l'heure actuelle et que nous avons même commencé nous-mêmes à oublier de par la vie, de par ses occupations et ses distractions qui sont malheureusement parfois mauvaises. Il va nous arriver la même chose. Alhamdoulillah, que cette histoire nous serve de rappel à nous tous. Que cette histoire nous serve de rappel à nous tous. Alhamdoulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Je suis en train de lire, peux-tu parler du châtiment de la tombe? Inch'Allah, on ne va pas parler du châtiment de la tombe après avoir parlé du petit Rayan et de tout ce qui s'est passé, on va apporter un message positif. La première des choses, Allah a créé et il choisit dans son décret ce qu'il fait.
La deuxième des choses, nous avons un hadith qui nous dit que celui qui meurt enseveli, qu'est-ce qu'il se passe? Il meurt martyr. Et le martyr est tellement heureux de sa mort qu'il souhaite revivre pour remourir de la mort des martyrs. Ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Et nous avons la conviction qu'il est mort martyr, car c'est ce qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La troisième des choses, les enfants musulmans seront avec Ibrahim alayhi salam. Il est mort avant même que les anges commencent à écrire ses œuvres mauvaises sur lui. Alhamdoulilah, nous demandons à Allah d'exaucer. La quatrième des choses, Allah Ta'ala a fait en sorte que le meilleur des hommes, que l'homme qu'Allah il aime le plus de toute la création, celui qui est le plus aimé, c'est Muhammad, fils de Abdullah. Cet homme-là lui-même, Allah lui a fait perdre ses enfants. Il lui a fait perdre son fils Ibrahim alors qu'il était en train d'agoniser dans ses mains. Il était plus jeune que Rayyan Ibrahim. Il l'a gardé dans ses mains, il le voyait mourir. Et il a dit, le cœur triste, les yeux pleurent, mais nous ne disons que ce qui plaît à Allah. Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, il a dit au prophète, Rasulallah, hatta anta ya Rasulallah, même toi, tu es un prophète, tu es envoyé d'Allah, tu reçois la révélation, tu reçois le Coran, tu vois les anges, même toi, il t'arrive d'être triste. Il a dit, mais même moi, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous ce type de créatures. Walillah ilhamd. Les personnes noyées également, les personnes qui meurent également dans des incendies, alhamdoulillah, elles sont considérées comme des martyrs. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Il y a une personne que je connaissais, que j'ai eu la chance de rencontrer. Cette personne-là, walillah, alhamd, c'était un converti. Il était parti au Hajj dans les années 80. Quand il est parti à la Mecque, pour revenir, il avait perdu son passeport. Quand il a perdu son passeport, sa famille sont rentrés sauf lui. Il n'a pas pu rentrer parce qu'il n'avait pas son passeport. Ensuite, le temps qu'il fasse les démarches, surtout avant, il n'y avait pas internet, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a pris beaucoup de temps. Il a trouvé un petit appartement, il s'est installé à la Mecque. Quand il a eu l'autorisation de revenir en France, il a tellement aimé la Mecque que qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa famille, il est parti s'installer à la Mecque. Cette histoire, wallahi, c'est quelqu'un que je connais personnellement. D'accord? Quand il est parti s'installer, et c'était un converti, il n'est pas né musulman. Quand il est parti s'installer à la Mecque, il a commencé à prier toutes les prières dans le Haram al-Makki, dans la mosquée sainte de la Mecque, jusqu'à ce que les gens de la Mecque commencent à l'apprécier avec le temps et les années. Et il avait une place importante. Il priait dans les premiers rangs de la Kaaba. Premier rang, parmi les premiers rangs, parmi les premiers croyants. Et je crois que c'était en 2016 ou 2017, si je ne m'abuse, il s'est passé l'événement de la grue qui est tombée. Et subhanallah, comme on l'a dit, celui qui meurt enseveli, il meurt en martyr. Cet homme-là, qui est un proche pour moi, pas très proche, mais que l'on connaît personnellement, il est mort parmi ces gens-là. Allah lui a écrit de vivre dans la terre la plus belle et de mourir martyr. C'est le destin et le décret d'Allah Ta'ala. C'est le destin et le décret d'Allah Ta'ala. On ne choisit pas. Allah il choisit pour nous. On lui demande husnul khatima, la belle fin. On lui demande qu'Allah il accepte et il agrée nos œuvres. Et qu'on ne soit pas de ceux qui vont mécroire, qui vont tomber dans le kufr ou la mécréance, tout simplement en ayant prononcé juste une parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il se peut que l'un d'entre vous prononce une phrase, un mot, et qu'il prenne cette parole à la légère, et que cette parole le fasse précipiter 70 années en enfer, wa l'ayyadu billah. Qui d'entre nous a vécu 70 ans? Personne. Moi, je ne pense pas qu'il y ait sur Twitter, sur Instagram, des gens qui ont vécu 70 ans. Il se peut que juste parce que tu as dit, pourquoi il est mort? C'est injuste. Une phrase comme ceci, Allah Ta'ala, il te fasse précipiter 70 ans en enfer. Alhamdoulillah, on garde le bon soupçon d'Allah. Notre Seigneur est bon, notre Seigneur est clément, il est plein de mansuétude, il est plein de bonté, et il ne fait que ce qu'il y a de bien, walillah alhamd. Il ne fait que ce qu'il y a de bien. Donc, s'il vous plaît, on garde le bon espoir. Allah Ta'ala a décrété, il a voulu de par son choix. Allah, il a entendu nos invocations. Allah même, vous savez que on ne va pas rentrer dans certains autres hadiths, Allah a décrété ces choses, Allah a choisi ces choses. Il a entendu les invocations de tous, il a entendu les doigts et il a décidé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, son oncle Abu Talib, il était en train de mourir et il lui faisait la da'wa. Dis la ilaha illallah, il n'y arrivait pas. Et là le prophète sallallahu ta'ala lui dit, innaka lam tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu veux, mais c'est Allah qui te guide vers le bien. Alhamdulillah, les louanges sont à Allah, le Seigneur du monde, celui qui nous a créés, celui à qui nous appartenons, celui qui nous donne tout ce que nous avons et celui vers qui se fera notre retour. Nous sommes ses humbles et fidèles esclaves et serviteurs, nous acceptons son décret, nous le remercions pour ce qu'il nous donne et nous lui demandons d'accepter Rayyan dans sa grande miséricorde dans un paradis. Qu'Allah lui donne une maison meilleure que celle qu'il a.
une famille, des gens qui l'entourent encore meilleur que ceux qu'il a. Qu'Allah le nourrisse et l'abreuve des fruits du paradis. Qu'Allah lui donne des vêtements de brocart et de satin. Qu'Allah l'assoie et le réconforte. Qu'il lui donne le sourire qui incombe à chaque enfant. Qu'il lui donne la joie de vivre ce qu'il mérite de vivre. Qu'Allah Ta'ala l'agrée. Qu'Allah Ta'ala l'accepte. Qu'Allah Ta'ala en fasse un exemple. Qu'Allah Ta'ala en fasse aussi un exemple pour que toute la Ummah se réunisse. Nous sommes réunis pour Rayyan, mais combien d'enfants musulmans sont des petits Rayyan dans plein de contrées du monde. Qu'Allah Ta'ala fasse que nous restions unis, cette communauté, que ni le football, que ni la politique, que ni les frontières nous séparent les uns des autres. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان توابا غفورا رحيما والسلام عليكم ورحمة الله.